Yo les gars, c'est Saxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour une fois, je n'ai pas la manette en main, ça va être juste un petit gameplay comme ça. Et pour la première fois de ma vie, je fais à peu près un gameplay, on va dire. Enfin, c'est une partie vraiment sympa, hein, pour vite fait en parler, où je tape quelques clips. Et je crois que là, ouais, voilà, il y en a un premier. Bon, c'est pas des clips de ouf, mais je veux dire, voilà, j'ai mis quelques petits trucs en une game. À la fin, je tape à peu près un bon score, je crois. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va la garder, ça peut être intéressant pour parler justement du mode de jeu concerné. Donc c'est sur ce mode de jeu que j'ai filmé sur le gameplay que vous voyez. Donc c'est le mode de jeu one shot ou une balle mort en français. Je sais pas, je joue en anglais, donc en fait je crois que c'est un truc comme ça, mais dans tous les cas c'est pareil. Donc à mon avis tout le monde connaît, donc c'est, je répète quand même au cas où, mais en gros c'est full sniper lobby. C'est-à-dire que t'as 4 ou 5 classes prédéfinies, dont la classe Hardscope, tu sais, j'ai vu ça, je suis ok, un peu bizarre, tu sais. C'est comme dans ce mode de jeu aussi, on a le système hack, par défaut je crois dans quelques classes. Donc ce qui te permet de niquer la TH, donc ce qui te permet de ne pas avoir la feed quand tu fais des quand tu es en feed quoi. Donc c'est assez sympa. Ou tu as des grenades paralysantes aussi. Manque plus que l'Atlas et le mode de jeu est parfait. Non mais sérieusement, ce mode de jeu, franchement au début j'étais un peu en mode ouais bon, sniper lobby et tout, c'est vrai que c'est pas trop terrible quoi. Enfin c'est bien, hein, ça fait des années qu'on demande ça, mais est-ce que, enfin, même beaucoup m'ont posé la question, est-ce que ça va changer du coup les standards? Est-ce que les clips vont être acceptés sur ce mode de jeu, etc. Donc moi, je vais donner mon avis. J'aimerais vraiment savoir le vote du coup, parce que c'est vrai que j'ai un peu parlé avec plusieurs personnes, histoire d'avoir des avis, même avec vous. Hein. C'est vrai que souvent, je fais des groupes sur Twitter en invitant des gens pour la soirée, en disant, mais tiens, je prends tant de personnes, envoyez vos Skype, on va faire des petits trucs ou quoi. Et on en a un peu parlé, c'est vrai qu'on a joué pas mal à ce mode de jeu, bon, surtout parce qu'il y avait le double XP, c'est vrai que ça c'était trop bien. Mais en gros, j'en ai un peu parlé, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui revenaient et qui disaient en gros que, enfin certains, donc c'est chacun son point de vue évidemment, en disant un peu, ah mais Sniper Lobby ça s'utilise pas, etc. Alors moi, franchement comme j'ai dit à chaque fois, moi, les gens qui disent ça par rapport à ce mode de jeu, je vous arrête tout de suite. Vous voyez un trick shotter, les trois quarts du temps c'est du setup. Hein, c'est un setup même très bien fait par moment, je veux dire. Enfin, en tout ce qui concerne les trickshots là en premier. Voilà, bon, je dis pas que tous les trickshots sont setup, hein, bien sûr que non, je sais bien que non quand même, heureusement. Mais généralement, genre ce qui est fait sous ça, qui est au niveau bien au-dessus et qui, bon, se reconnaît tout le temps, tu te doutes bien que, bon, il y a plus de chances que les gars se laissent buter. Et même sur W2, le Willy G était autorisé, donc ce qui permet en fait que quand le dernier était en vie, que les autres voulaient tenter le trickshot, ils pouvaient juste tirer un noscope pour que les autres tentent la killcam tranquillement. Et je veux dire, ça n'a jamais été critiqué, et c'est vrai que là, t'es. Et que là, tout le monde disait, ah, ça sniper lobby et tout, c'est nul. Alors que là, honnêtement, moi personnellement, tu vas à Momentum ou FFA, les trois quarts du temps c'est sniper lobby. Alors FFA c'est tout le temps sniper lobby. Mais les générales, hein, au cas où que certaines. Bon, ouais, certaines. Manque de respect, hein, là je vous ai manqué de respect, les gars. Non, mais c'est vrai qu'en FFA c'est du sniper lobby tout le temps. Je veux dire, faut arrêter. Momentum, c'est quasiment. C'est soit c'est sniper lobby Momentum, ou soit c'est mitraillette lobby vraiment très hard, vraiment hardcore. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire ah, mais non, mais alors ce mode de jeu, du coup, faut pas faire des clips de tuer, etc. Surtout que là, en plus, tout le monde est à égalité. Je veux dire, tout le monde est. Personne n'a un sniper modifié ou quoi. Et personne n'a un atout au-dessus. Enfin, vous voyez, c'est vraiment. Tout le monde est vraiment. Pareil, quoi. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est vraiment bien, c'est vraiment une sensation vraiment de. Oh, moi quand j'y joue, franchement, je suis un peu en mode relax. Tu dis, ah ça y est, y'a pas un mec qui va arriver à l'Atlas, qui va te casser couilles. Même s'il y a des gars qui jouent au couteau à ce mode de jeu, bon, comprendra qui pourra. Mais en gros, voilà, moi personnellement, je pense que mon opinion, c'est que ce mode de jeu est vraiment sympa. Je pense que les clips se gardent bien évidemment. Après, ça dépend des clips. Là, les clips que j'ai mis là, par exemple, ça se gardera pas pour un épisode, vous doutez bien. À part peut-être pour un mini comme ça, mais pas pour un bon gros épisode, mais. Mais bon voilà, je veux dire, je pense que quand même c'est un mode de jeu où on peut quand même mettre des clips. Faut pas se dire, ah ben tiens, il y a tout le monde au sniper, du coup c'est trop facile. Au contraire, je suis déjà tombé contre des personnes qui du coup, eux, se suicidaient ou se faisaient exprès de me broc parce que j'étais en fil, etc. Les gars qui jouent, généralement, t'inquiète pas, qu'ils connaissent et qui peuvent faire bien leur fouine par rapport à ça.
Voilà, donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire moi quand j'entends ça. Mais bon, après, c'est comme mon avis, comme j'ai dit, donnez-moi votre avis un peu, que je sache un peu ce que tout le monde en pense. Et puis voilà, bah, écoutez les gars, c'était tout, c'était Saxy. Et ben, je vous smoke tous, voilà, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.